Alors, je voulais faire ce tuto pour vous parler des. Pardon. Je voulais faire ce tuto pour vous parler des joints et vous parler d'un outil qui est vraiment très très bien pour enlever les joints, qui est le Fine Multimaster Pro. Je vais vous mettre en liaison, je vous mettre un lien sur une vidéo qui a été faite spécialement pour enlever les ponts de pour enlever les joints des ponts de bateau. Seulement, le souci c'est que cette vidéo, elle est super bien faite. Mais quand on va acheter le Fine, donc chez le Roi Merlin Rambuteau, ils vendent le Fine, mais ils ne vendent pas la lame qui va avec. Il faut la commander. Et en fait, en plus, ils ne savent. Ils ont. Le mieux, c'est en fait de connaître la référence du produit. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le fabricant Fine à Strasbourg, qui m'a donné les références. Des petites lames pour enlever le joint, c'est à dire ces lames là qui sont vraiment vraiment très très bien, hein, d'accord. Vous avez trois types de lames, et voilà les trois qui, suivant ce que vous faites, vous avez différentes possibilités, hein, vous avez différentes largeurs. Moi, mes joints, ils font entre 5 et 6 mm, donc quand même, j'ai besoin de lames assez larges. Bien que le fine n'est pas suffisant pour que ce soit nickel, je vais vous dire comment je vais faire pour améliorer. Mais si vous voulez le trouver, vous allez donc chez le Roi Merlin, n'importe lequel. À Rambuteau, à Paris, ils sont vraiment très très sympas. Il y a un monsieur avec une barbe qui est vraiment hyper sympa au rayon de tillage. En revanche, il faut lui apporter la référence de ces outils-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé moi la référence Le Roi Merlin et je vais vous la transmettre pour que vous puissiez acheter ces petites lames ou les faire commander au rayon tillage. Ils vous les fourniront. Et puis de l'autre côté, vous achetez le Fine qui comprend aussi cet outil-là. Vous allez le voir dans la vidéo sur laquelle je vous ai fait le lien. C'est très pratique. Je vous conseille d'enlever les joints un jour où il fait très chaud. Un jour comme aujourd'hui, c'est parfait. Là, c'est caniculaire. Parce qu'en fait, le joint est ramolli. Donc, franchement, il s'en va beaucoup mieux. C'est assez dur physiquement à faire. Hein. Vaut mieux être deux. Parce que le Fine est un outil qui est. Alors, j'en parlais, hein, des outils pas faits pour les femmes. Celui-là, il est un peu lourd. C'est quelque chose de. Pas très agréable à manipuler, mais c'est un outil pour être un peu costaud. Alors on le fait à deux, c'est à dire que mon mari il utilise le Fine et moi je lui facilite la tâche en passant par exemple avec le cutter. Donc le cutter est quand même un outil de base fondamental. Moi j'ai un cutter et j'aiguise les lames. Ça, c'est un cutter à papier, mais vraiment qui est très très performant. Hein. Que vous trouvez à la boutique de l'encadrement. Avant, on le trouvait chez Rougier. Maintenant, je ne le trouve plus chez Rougier. Je ne trouve qu'à la boutique de l'encadrement. Je vous mettrai aussi l'adresse. Et avec les lames Stanley, c'est des lames qui sont hyper solides. Et vous pouvez aiguiser ces lames et les aiguiser. Donc, comme je vous montrais. Sur ma juste, ça c'est une sorte de cale à poncer, hein. C'est une boîte sur laquelle j'ai mis un élastique avec un papier de verre et hop 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 et ça vous fait quelque chose pour poncer. Le mieux c'est d'avoir une pierre à aiguiser ou alors un aiguiseur à couteau, un simple aiguiseur de cuisinier, ça marche très très bien aussi. Pour finir, pour enlever les joints, ce qui est très très bien, c'est d'utiliser, comme je vous le disais, les fers que j'achète chez La Verdure, les fers de Dorreur, les fers à reparer, on s'en fiche, hein. Particulièrement celui-là, parce que moi je vais les utiliser en passant dans le joint lui-même, et par rapport à un ciseau à bois, ça ne va pas arracher le bois, ça va vraiment juste gratter le joint. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Et ça permet de faire bien propre, hein, puisqu'il ne faut pas qu'il en reste le moins possible. Voilà. Donc, je vous ai donc bien parlé du Fine. Je vous ai donc parlé des trois lames.
la quatrième qui est là, qui est vendue. Celle-ci est vendue dans un kit tout fait. Le fine, c'est pas donné, hein. C'est 48 euros la lame. Donc vous voyez, il faut vous prendre quand même pour un bateau comme le mien qui fait 12 mètres de long. J'ai pris 6 lames, comme ça, 6, de différents diamètres. J'ai donc 6 en tout, avec une lame comme ça, mais vous voyez qu'elle est très 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 encrassée. Même en la nettoyant avec une petite brosse métallique pour les limes, parce que ça, ça peut se nettoyer quand même. Je vais avoir du mal à ravoir ça quand même, parce que le joint, c'est très collant. C'est une matière qui est vraiment pas agréable du tout. Donc, peut-être en le trempant dans le white, je sais pas. Bon, je pense que le mieux, c'est quand même de prendre une lame neuve. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt.